389, Madame de Gouas, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, cette situation est sûrement arrivée à chacun d'entre nous, être dans un supermarché, être face à une multitude de barquettes de viande, par exemple, et ne pas savoir laquelle choisir. On regarde s'il y a un label, on regarde l'étiquette, en recherche tout simplement de qualité. Cette qualité, pour de plus en plus de Français, elle passe par le respect de l'animal et donc son mode d'élevage et d'abattage. Ce projet de loi a pour principal objectif de soutenir les agriculteurs. Pourtant, aujourd'hui, la consommation de viande ne cesse de baisser, de diminuer. Moins 4,9% en 2017 pour la viande de porc et moins 2,7% pour la viande de bœuf. Il est essentiel de mieux informer les consommateurs, de mieux informer les Français. C'est le besoin qu'on ressent actuellement. C'est pourquoi nous vous proposons avec plusieurs collègues de voter pour l'introduction d'un étiquetage obligatoire sur les produits bruts issus de l'élevage pour indiquer aux consommateurs tout simplement les modes d'élevage et d'abattage de l'animal. Et cette qualité supplémentaire permettra de soutenir le travail de qualité des agriculteurs.